Et là, qui file dans son four. Au moulin, au four et au moulin. Ah oui, ma pauvre. Je pouvais, mais je pense que ça s'est un peu asséché. Alors, allez-y, vous pouvez commencer. Alors, on va rappeler que ce sont des piccata. Ouais, à ta manière, donc des petits piccata de veau, avec une purée de pommes de terre et sur laquelle tu as mis une purée d'amandes qu'on a fait en plateau express. Voilà, petite purée d'amandes express. Alors, c'est peut-être un petit peu sec parce que ça passait au four. C'est excellent. Et les amandes, tu te souviens, Maya, les amandes, on a fait de toute façon hein, grillées. Et puis, la première version, c'était réhydratée dans l'eau toute une nuit pour qu'elles soient tendres, comme cette petite sensation d'amandes fraîches qu'on retire de l'amandier. Vraiment. Ouais, bon. Bravo Farida. C'est très fin. Bon. C'est bravo Farida. Parfait, merci. Bravo. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme petite astuce aujourd'hui? De la nougatine. Ah, voilà, la nougatine. C'est très, très, ça non, très simple à réaliser. On mélange donc de l'eau, du vinaigre blanc. Voilà. Du vinaigre blanc, ça te parle toi? Mais... Du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc. Parfaitement. Ah oui. Ah, pour faire le caramel. Ça sert vraiment à tout. Hein. Parce que généralement, dans le caramel, on met du citron. Ah, et là, le vinaigre blanc, ça fonctionne encore mieux, je trouve. On dispose donc le sucre, on laisse cuire tout cela jusqu'à ce que cela blondisse, à peu près 3 minutes, chose comme ça. Une fois que ça commence un petit peu à blondir et à faire des bulles, on ajoute nos fruits secs, je ne vais pas l'ajouter là, on ajoute nos fruits secs, et ensuite on étale sur une plaque huilée, on laisse refroidir et on obtient ceci, mesdames et messieurs. Oui, parfaitement. Incroyable. Ah non, mais c'est très, très simple, la nougatine. Alors là, Vanessa, je crois qu'elle veut goûter. Oui, j'ai coupé deux, trois petits morceaux. J'ai repéré, Vanessa. C'est aussi simple que ça, la nougatine. Parfaitement. Merci. Excellente, ta nougatine. Il y a les cas pratiques à faire derrière. Il y a les cas pratiques. Oui, voilà, entre les dents, ça va être une erreur, je crois. Ouais, c'est une erreur de débutant. Oh là là. Une erreur de débutant. Allez, merci beaucoup. On t'embarque. Bah oui, allez, c'est parti. Merci beaucoup à tous les deux. Et on va répondre à vos cas pratiques.